Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième saison sur le jeu Software Inc. Deuxième saison, premier épisode. Donc sur ce jeu, on a fait 15 épisodes dans la première saison. On va essayer d'en faire au moins autant sur cette deuxième saison. Et comme vous pouvez le voir, l'entreprise est déjà commencée. Alors pourquoi ? Parce que j'ai déjà enregistré au moins 3 fois ce premier épisode. Vu que je n'ai, pour ainsi dire, pas réussi à démarrer l'entreprise, et là on va dire que c'est peut-être la première fois où j'y arrive, donc c'est plutôt pas mal. C'est beaucoup plus compliqué, donc le jeu a un petit peu changé, hein. Notamment on verra sur surtout l'aspect marketing et création de logiciels, ça a un petit peu changé et c'est un petit peu plus complexe. Donc là on se retrouve en mode facile, comme lors de la première saison. Au départ j'ai fait quelque chose en mode difficile, mais visiblement c'était un peu trop difficile. Enfin bref. Voilà, donc nous en sommes là. Et on va essayer de faire, durant cette saison, une entreprise un petit peu différente de la première saison. Déjà d'une part en essayant de faire un bâtiment un petit peu différent aussi, mais aussi en développant des logiciels un petit peu qui ne sont pas les mêmes. On avait beaucoup, alors là aussi c'est pareil, il y a énormément de logiciels qui ont été rajoutés, et j'ai téléchargé également deux mods qui vont rajouter quelques logiciels. Comme vous pouvez le voir, il y en a un petit paquet quand même, donc on a la possibilité de faire pas mal de choses. J'ai commencé par quelque chose de très 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 simple qui s'appelle Calculator Software. Donc j'en ai fait deux, le premier n'a pas du tout marché, le deuxième a bien marché, donc on va commencer là-dessus, puis on verra comment on va diversifier ce que l'on fait en fait, sachant que niveau gestion etc c'est un petit peu plus difficile que précédemment. Voilà, ce genre de choses par exemple qu'on peut faire éventuellement. On va commencer par des petites choses, et peut-être qu'on refera peut-être aussi des systèmes d'exploitation. On peut aussi, alors ça c'est un mode qui doit le faire, mais créer des ordinateurs de toutes pièces. Donc pour cela, alors peut-être qu'on fera une division création de PC plus tard. Pour cela, il faut développer d'abord un processeur, faut développer motherboard, je sais pas exactement ce que c'est, carte mère certainement, du storage, memory, etc. Bon bref, il y a pas mal de choses, moniteur, etc. qu'on peut faire. Ça peut être intéressant à faire aussi, et peut-être qu'on le fera plus tard. Autre aspect important qu'il n'y avait pas avant, c'est l'aspect de production du logiciel. Avant, on ne s'occupait pas tellement de la distribution, pas plus que ça. Maintenant, on a la possibilité de les imprimer nous-mêmes et de les faire distribuer. Et ça, c'est très important parce que il y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu. Par exemple, actuellement, j'ai un petit problème. Là, il me dit que j'ai pas d'espace pour que mon facteur vienne stationner et aller chercher en fait les paquets et les paquets de logiciels et les distribuer un petit peu partout dans le monde. Là comme on est dans les années 80, pour le moment les logiciels sont surtout sous format physique entre guillemets, mais il y a possibilité plus tard de les faire en fait en mode en digital si vous voulez, et plus on va avancer dans le temps, plus le digital aura une place importante. Que dire d'autre pour ce début de série? La longueur des épisodes, je vais essayer de me tenir à des épisodes qui vont faire 20 minutes, pas plus, 20, 22, 23 peut-être, autour de 20 minutes on va dire, sans dépasser 25 minutes, hein. Donc c'est possible que vous ayez des épisodes, des fois je vais enregistrer, je sais pas, 40 minutes d'un coup, et puis je vais le diviser en deux, et il n'y aura pas forcément d'introduction sur la deuxième partie. Bon, bref, je vais faire de l'enregistrement, des fois je ne vais pas forcément me préoccuper de la longueur de l'épisode, notamment lorsque l'on va faire de la construction. Bon, pour le moment, c'est pas trop à l'ordre du jour, on a, à mon goût, pas assez d'argent pour ça.
vous allez voir que ça diminue très très vite. C'est pareil, j'ai commencé avec un peu plus d'argent que lors de la première saison. La première saison, on avait commencé vers avec 40 ou 45 000, un truc comme ça. Là, j'ai commencé avec 10 fois plus. Pour nous éviter d'avoir à faire, vous savez, la petite partie qui avait été un peu chiante lors des deux premiers épisodes, faire des contrats de travail. C'est vraiment, voilà, ça gagne pas lourd et je trouve que c'est pas véritablement très très intéressant pour commencer. Autant commencer tout de suite avec le développement d'un logiciel. Alors, pour continuer un petit peu sur la présentation de l'entreprise, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on va dire, nous avons trois employés, Anonymous qui est moi-même, donc le patron qui a un peu n'importe quel rôle parce que j'ai des compétences un petit peu partout, enfin, dans ce jeu-là. J'ai un programmeur parce que notre calculatrice a demandé beaucoup de programmation. Il n'y a pas beaucoup d'aspects artistiques, si vous voulez. Donc, programmation essentiellement en système et en algorithme. Et j'ai aussi un marketeur, je l'ai embauché tout de suite, puisque le marketing est très très important dans cette entre guillemets, nouvelle version du jeu. Ça détermine un petit peu tout. Le marketing, c'est véritablement voilà, pour enfin l'affaire de lance, c'est ce qui va permettre véritablement au logiciel de fonctionner. Je m'en suis rendu compte avec là notamment sur cette partie. Le premier logiciel que j'ai fait était pas très bien marketé parce que c'était pas quelqu'un du marketing qui s'en est occupé et ça s'est très vite senti. Alors, on va continuer. Je dois également répondre à ces petites choses là. Alors, on va commencer. Donc, il n'y a pas d'espace pour notre facteur. Donc, pour cela, il faut créer un parking. Mais comme tout est bien fait, eh bien on ne peut pas le créer ici. Donc on va être obligé, entre guillemets, de s'agrandir de 8 espaces. Donc pour le moment, vraiment, on se contrefiche littéralement de savoir si notre entreprise est jolie ou pas. On va dire ça comme ça. L'objectif, c'est que ce soit fonctionnel. Pour le moment, et puis quand on aura vraiment beaucoup d'argent ou quand on arrivera autour de 10 millions, on pourra commencer à construire un beau bâtiment comme il faut. Alors pour le moment, c'est vrai que les parkings prennent énormément de place. Je crois qu'on ne peut toujours pas mettre des parkings en sous-sol, ce qui est assez dommage, mais bon, c'est comme ça. Il nous faut aussi, j'avais vu, un petit peu plus de serveurs pour la distribution, donc on va agrandir un petit peu cet espace là qui est l'espace actuellement alloué au serveur. Vous voyez, hein, ils sont là, donc on va fusionner avec ça, fusionner les pièces et on va pouvoir dupliquer ce truc là. Alors déjà on va le déplacer ici et on va les dupliquer. Et pour être tranquille, on va en mettre 6. On va connecter. Alors je sais plus comment on fait. On fait comme ça. Hop. 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 Ah non, c'est pas comme ça. Alors. Hop. Et hop. Ouais, bon alors. Ça marche bizarrement, mais en gros on a un grand serveur. Alors là c'est pareil, dans les années 80, c'est un petit peu anecdotique, hein. Pour la référence, on va regarder function serveur. Vous voyez, on a 50 mégabytes de bande passante, ce qui est très très peu, et aujourd'hui voilà, on est, vous voyez, 50 gigabytes sur à partir des années 2000. Là, on a un peu plus, hein. 75 même après. Alors, c'est 75 mégabytes. Bon, c'est pas énorme, mais bref. On voit, c'est intéressant, c'est marrant de voir comment a évolué notre
enfin l'informatique depuis le depuis le début. Alors, on va aussi agrandir ce truc là, tac, comme ça. Alors, comment on fait déjà? Pourquoi je peux pas sélectionner? Ah, parce que je suis en mode serveur, et voilà. Tac, on va fusionner ces deux trucs là. Oui, alors forcément, il ne les a pas fusionnés comme il faut. Alors, étage, j'avais mis du gris. Et là, un gris foncé. Tac, où je change du coup les matériaux. Clôture, on va la mettre comme ça. Et étage, c'était uni. Ouais, bon, comme ça. Appliqué. Et il nous reste une petite porte à mettre ici. L'histoire que les gens puissent directement les débarquer à notre local. Bon, on a encore un petit peu d'espace ici pour construire, et puis après il faudra éventuellement monter d'un étage, parce que très honnêtement, vous voyez, ça coûte très cher de s'étendre, et là je vais dépenser 5 000 € pour rien. Bref, ça coûte très cher de s'étendre, donc clairement on va pas le faire tout de suite. On fera ça quand on aura vraiment des sous. Alors, nous sommes donc à peu près à la moitié de l'épisode, tac tac tac, et donc on a ça, les chargeurs, les serveurs, pardon, c'est fait. On va checker ici, 300, ça devrait être bon. Je sais plus, distribution, tac tac tac. Alors, ce qui m'embête dans la distribution, c'est que, bon, j'ai encore un peu de mal à saisir comment ça fonctionne, mais ça va venir. Mais on peut pas, par exemple, choisir sur quel serveur ça va se faire. Tac tac tac. Alors, vous voyez, par exemple, là, les profits. Le premier m'a coûté énormément cher, et puis il m'en reste encore 10 000 en stock. Et là, il m'en reste encore 48 000. Bon, ça va. On devrait avoir de quoi venir les choses. Tac. Alors, les serveurs, c'est bon. Là, on a plein de paquets. Donc, comme on a plein de paquets, il nous faut demander un postier. Hop. Qui vient. Voilà, il est venu chercher les paquets. Tac. Qui a permis d'engranger un petit peu plus d'argent, ce qui est pas si mal que ça. Il faudrait le faire venir tous les jours en fait. Alors, ça me coûte beaucoup, mais je pense qu'on va plutôt. Ouais, on va l'embaucher, hein, parce que ça. 1800 par mois, bon. Que c'est honnête. Ouais, on va faire ça. Au moins comme ça il sera là tous les matins et on aura un facteur entre guillemets en permanence dans l'entreprise, ce qui peut être pas mal. Ah oui, peut-être qu'il va arriver que le lendemain du coup. Tac. Vous voyez, ça c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Peut-être qu'il serait bon aussi de lancer un nouveau logiciel. Alors, ça, c'est peut-être le plus compliqué, savoir ce qui est opportun de développer. C'est assez complexe, parce que du coup, il y en a beaucoup. Là-dedans, si on fait suite de quelque chose, Google Calculator, sachant qu'on en a encore un paquet. Y a moyen de rajouter des choses, mais au niveau innovation, alors innovation moyen, si j'ajoute ça, ce qui serait bien, c'est
l'innovation. Ouais, on va attendre un petit peu. Vous voyez, 2007, 90, 85, 86. Vous voyez, il y a quelques petites choses qui vont être développées. Tout ça, ça va être développé, enfin débloqué prochainement. Donc, on va attendre un petit peu. 98, tac, 98. Ouais, vous voyez, il y a pas mal de choses. Donc, on va attendre un petit peu pour faire cette chose-là. Grosso modo, un petit mois. Non, une petite année entre guillemets. Donc, on va pas faire un calculator software. On va essayer de trouver un truc qui ne demande pas. Solution de temps de database. Alors, moi ce que je veux, c'est un tout petit logiciel qui puisse être fait très très rapidement. Moins d'une année, programmeur, artiste, low resolution. Non, je pense que c'est déjà un peu trop. Tac 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 tac. Innovation moyen, faut du monde pour faire ça. Alors on a pile poil l'équipe qu'il faut. Ouais, designer, faut de l'algorithme. On a les capacités 2D, on n'a pas de capacité. Voilà, système, algorithme, ça me paraît pas trop mal. Ajouter, et bien. Bon, on va pas se leurrer, la meilleure chose à faire, c'est encore les systèmes d'exploitation. J'arrive pas à voir si je les sélectionne ou pas. Alors, ouais, c'est bon. On va sélectionner tout ça. Il nous faut moins d'une année, donc c'est parfait. Oui, mais là, il faut de la 2D, et puis on n'a pas les capacités, nous, encore. Puis on n'a pas d'éditeur 2D, surtout. Ça, voilà. Bon, on va essayer avec ça, hein, puis on va essayer ça. Alors, max ratio. Qu'est-ce qu'il nous propose de file zip? Alors, on va l'appeler Poubelle Zip. Ah oui, je vous ai pas dit, l'entreprise s'appelle Poubelle. Alors, c'est un mix entre Google et Poubelle. Allez savoir. Core et le serveur, évidemment. Tac, 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 Poubelle Zip développé. Voilà. Donc il nous travaille dessus. Marketing 8000, vous voyez. Le nombre d'utilisateurs diminue, hein, c'est-à-dire que nos profits sont pas non plus énormes sur ce truc là. Bon, c'est pas bien grave. Alors moi j'aimerais bien les faire travailler un peu plus mes gens, parce qu'ils travaillent combien de temps par jour là. Alors embaucher des salariés. Gérer les salariés. Il travaille. Compétences. Moi, ce que je veux savoir, c'est quand est-ce qu'il bosse. Gérer les équipes, ah ouais, c'est plus là. 8h, 16h. Ça fait 8h, ça, ouais, bon, on va pas rajouter, hein. Trop d'équipes dans une... Alors lui, je suppose qu'il fait, du coup. Bon, on va le renvoyer, hein. Il sert que... Oui, enfin... Il nous coûte plus qu'autre chose. Pour le moment. Action. Voilà, on l'a renvoyé, parce que... Voilà. Moi, ce qui me pose problème, c'est... Alors, je voudrais savoir. C'est là qu'on va pouvoir savoir exactement ce qu'on a en stock. Ah oui, on en a un paquet en stock. On va peut-être arrêter d'en produire. Ouais. Ça serait mieux, hein, parce que bon, il nous en reste 100 000. On n'en a pas vendu autant. On en a vendu combien? User...
29 000, on en a vendu. Hop, on en a vendu 29 000. Bien. Bon. Je crois que c'est pas mal pour un premier épisode, hein. Alors oui, on avait aussi les recherches, hein, qu'on a. Voilà. Qu'on peut faire, il y en a beaucoup plus qu'avant. Ce qui est plutôt bien. Après, on n'a pas la compétence pour les faire, hein, clairement. Donc on fera ça, on s'en changera un petit peu plus tard. Bien, on va s'arrêter là pour ce premier épisode sur Software Inc. Vous avez entendu le petit bip 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 bip, peut-être. Je sais pas si le micro l'a enregistré, bref, moi j'ai entendu. Ce qui veut me dire, ce qui me fait dire que ça fait 20 minutes du coup que l'épisode est lancé. Et donc on va s'arrêter là. Début calme, hein, en soi. Franchement, l'entreprise, la petite entreprise, n'est pas encore grande. Comme dans la première saison, moi ce qui m'intéresse c'est quand même avant tout la construction. Et là ça va être peut-être un petit peu intéressant parce que on est dans un environnement urbain, donc il y a des tours à côté. Et on verra si on essaye de faire quelque chose avec ça. Bien, ça sera donc tout pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour la suite.